Hello les amis, bonjour. Avant le testeur, on va jouer à un jeu Konami, tout simplement les Aventures of Byubi, tout simplement un jeu tiré un petit peu, ils sont fort inspirés quand même des Crocodile Dundee pour faire ce jeu. Vous allez le découvrir après. Donc on va regarder la boîte, plutôt NES qui est plutôt très sympathique. Donc on va mettre une évaluation avec ce testeur, on va refaire une petite partie. Malheureusement, je n'ai pas la notice, mais je peux vous montrer également la cartouche. Allez, c'est parti pour le test, les amis. Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous présenter quelqu'un. Qui? Présente-toi premier. C'est Grégory, de Retro Vampire Ming à l'arrache. Ouais, Greg, il est là! Coucou! Coucou. Bon, allez, on va revenir adulte, on va arrêter de faire comme au collège foufoufou, être un petit peu comme des enfants de temps en temps. Donc, on va jouer à quoi aujourd'hui, Greg? Rien. Un G.I. Joe. Non, Ah, tu es merde. presque, c'est pas G.I. Joe ça. C'est C'est pas Bayou. Balou. Bayou Billy. Balou Billy. Donc, sur la NES, on joue Oui. sur la NES, Bayou Billy. C'est un jeu Konami sorti sur la NES en 1988 au Japon. Et aux États-Unis, c'est en 1989 qu'il est sorti, donc un an après. Et nous, en France, on l'a eu en quelle année alors? Je sais pas, non. 1991. C'est vrai? Ouais, donc on l'a eu vachement en retard, hein, quand même. Hein. Ah, il y a un petit décalage aussi. Hein. Ah, ouais. Donc l'histoire, c'est Billy West C'est pas qui doit. Crocodile Ben, je vais y revenir après. Ah. Donc, oui, il y a des grosses ressemblances à Crocodile Bah. Dundee. Voilà. Bon, donc je vais faire un petit bémol. À l'époque où c'est sorti en France, on a eu une publicité sur ce jeu-là où il mettait vachement en avant le personnage de Crocodile Dundee dans cette pub-là. Donc, ils l'ont vendu comme si c'était Crocodile Ah, Dundee, mais à d'accord. la base, non, c'était pas vraiment Ah, pour il y a de la bouffe. Crocodile Dundee, c'est à la base. Hein, mais chez nous, Putain, ils en ont profité pour faire des bonnes ventes avec justement les films Crocodile Dundee qui avaient bien, Oui, plutôt bien car... marché au cinéma. Vas-y, vas-y, Star. Ouais, Ah, ils sont car... durs, hein, les jeunesses. Hein. Vas-y, continue. Donc, tu peux trouver ce personnage-là qui est en fait Billy West qui Ah, c'est doit bon, j'ai trouvé bien. sauver sa petite amie Annabelle. Oh. Donc c'est un jeu en 10 niveaux, Grégory. Ouais, Il donc y j'ai a de passer le niveau. 6 niveaux en jeu de combat comme celui-là. Ouais. Putain. 2 de tir. Deux tirs. Ouais, où tu dois tirer sur les ennemis en Ouais. fait. J'ai tiré Et infini. 2 de course. Ah bah super. Donc, On fait en la course à fait, quoi? Je sais pas. t'es dans une voiture et puis tu. Bah, je t'invite à passer le premier niveau pour que tu Ouais, vois justement ces prochains niveaux. Donc, le nom japonais, ça ne ressemble pas du tout à Bayou Billy, Oh c'est putain, Mad je suis... City. Si vous le cherchez en Jap, vous cherchez Mad City. Oh putain, il m'énerve, les oiseaux. Oh putain, je vois. Et par rapport aux versions qu'on a, par exemple, on a la version européenne, mais si tu as la version japonaise, par exemple, il y a pas mal de choses qui changent. C'est-à-dire que les vêtements d'Annabelle, de l'héroïne qu'on doit délivrer, ne sont pas les mêmes, ainsi que le nom, parce qu'elle s'appelle Pain. Oh putain, j'ai failli me faire tuer. Et le jeu japonais propose plusieurs fins alternatives que nous, on n'a pas. Et c'est quoi toi? Ils vont me lancer des pierres? Oh putain, c'est lourd. Ah, y'a pas de... Alors, si vous cherchez bien, il existe un comic de ce jeu-là, au USA, qui existe et qui s'appelle Archicomic. Oh putain, il m'a tué. C'est Connard. sorti entre 1989 et 1990. Et c'est bien animé, ça. Et Bayou Billy est aussi évoqué dans une série animée qui s'intitule Un air comme Captain. Ah. Alors Greg, tu t'en sors? Alors, par contre, le jeu il pixelise plus que G.I. Joe quand Ouais, même, hein. hein. Hein? Ouais. Par contre, pour les Hein, parce trucs. que tu te foutais de la gueule de G.I. Joe. On a fait un test G.I. Joe, si vous l'avez pas encore vu, ça va arriver. Mais il se foutait de la gueule un petit peu du jeu G.I. Joe en C'est disant, ça pas vrai. pixelise un peu. Voilà, c'est pire. Par contre, on peut écouter la musique parce qu'on n'entend pas la musique. Allez, on va se mettre un petit zeste de musique, mon cher Ouais. ami. Ouais, ça fait un peu bizarre.
Donc on est devant un niveau genre beat'em all comme Double Dragon, ouais, qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'on peut prendre des pierres, des bouts de bâton. Mais c'est bien, c'est qu'on peut garder quand je perds, et puis ça revient au point de départ. Ah, ouais, bon, certains jeux c'est comme ça, hein, on commence pas à zéro. Bah, mais G.I. Joe, ça recommence à zéro. Hein. Ouais. Ah, mais pour les tuer, putain. Ah bah, on l'a. Bon, Grégory, ma petite question que t'adores. Laquelle? Imagine, un jour, tu vas en brocante cet été. Tu tombes sur un monsieur qui vend des jeux NES pas très chers. Ouais. Bah, je prends. Tu vois ce jeu-là? Tu prends ou tu le laisses? Non, je sais que tu lui laisses, là, parce que... Non, je lui vole. Parce que tu l'as déjà, ce jeu, mais... Je vais lui voler. J'achète pas, mais moi. Toi, tu le prendrais? Bah, ouais, oui, comme tu l'as déjà acheté, je pense que tu le prends. Ouais. Ouais, c'est... Bon, musicalement, apparemment, tu trouves ça... Ouais, ça va encore. Moyen. Ouais. Maniabilité, tu trouves ça comment? Dur. Dur. Elle est dure. Ouais, elle est dure. Faut dur parce que j'ai tu tires dessus. Allez, fais un petit continue. Oh putain, j'ai failli devoir commencer à zéro. Mais coucou les internautes, on nous voit en nombre. Comme d'hab. Oh merde, je recommence à zéro. Ah, il faut pas arriver, hein. Mais, par contre, il faut faire avec toutes tes vies. Pour les tuer, c'est dur. Ah, il faut te battre, hein. Allez, mets des coups de pied, coups de poing, coups de pied. Oh, putain, pour les tuer, je me tue plus que Bastien. Ah non. Je vais user mes doigts. Ah, bonsoir. Allez, vas-y, tiens, je t'achève. Bon, qui c'est qui a de la bouffe, là? Regarde comment il se barre. Ah ouais, ils sont pas méchants, ils te mettent au moins 10 mètres d'écart, gars. Ouais. Hop, 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 il faut que tu cours après pour, ouais, en gros, pour leur fille le taper. Il va revenir, mais après, il sait pas pourquoi il part à gauche ou à droite. Ouais, voilà, et puis... Il pourrait rester à côté de toi, ça ouais. Serait mieux. Ouais, je sais même pas si c'est... Ah, là, je vois. Et c'est même pas eux qui les tuent, c'est moi qui les cherche pour les tuer. Viens là. C'est toi le criminel, en fait. C'est toi le criminel. Oui, c'est moi, c'est ça. Allez, ah non, il t'a attaqué quand même. Ah bah attaqué. Il t'a attaqué. La, 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 la. Gars, moi, il faut les tuer. Comment il faut? Alors t'aimes bien faire les tests de NES, toi? Je crois que c'est ta console de cœur, non? C'est celle-là moi, ou la bien. Super Nintendo? Super Nintendo. Ah, tu préfères la Super Nintendo? Ouais, mais j'aime bien la NES aussi. T'aimes bien la NES? Ouais. En disant que t'es content de faire des jeux de NES. Oh, oui. Regarde. Là, je le tue. Allez, vas-y, elle recommence. Et je... Ah, voilà. Pour les tuer, c'est dur, hein. Tu uses presque toute ta vie. Ouais, au moins qu'il faut être un petit peu doué, plus doué peut-être. Mais c'est vrai que le jeu est assez dur. Ouais. Mais une fois que t'as l'habitude. Faut donc... que je cours après, moi. Hey, viens ici, je vais te tuer. Plus là, il date 3. Allez, hop. Ah, puis tu perds des carrés d'énergie, hein. Ah, on va du poulet. Il faut le rater. Ah, vas-y, mange-le. Ouais. Ah, ça y est. Oh, merde, là, tu peux les friter maintenant. Oh putain. Oh putain. Allez. Allez, allez. T'as connu les films Bayou Billy? Non. Enfin, pas les films Bayou Billy, c'est moi qui se trompe. Ouais. Crocodile Dundee. Ouais, c'était super bien. Moi j'ai adoré, c'était marrant. Oh, donc c'est un peu la même atmosphère. Hein, ce voilà. Jeu. Tu vois, ouais. Donc une petite note, Greg. Hein? Graphiquement, oh, putain, il m'a tué. Ah, excuse-moi de te couper. Graphiquement, tu m'en as parlé graphiquement? Non, pas du tout. Quand tu trouves ce jeu graphiquement? Graphiquement, bah. C'est la NES, mais ça fait bizarre par contre. Ouais. Ça fait un peu bizarre, je trouve. C'est le décor ou quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est de la forêt, hein. Ils ont mis beaucoup de végétation. Ouais, ouais, ouais. Par contre, pour tuer. Oh là là, c'est dur. Et t'as pas encore eu le temps de jouer à ton jeunesse, donc. Alors ouais. Tu rentres chez toi, tu vas pouvoir essayer. te venger. Eh, vous jugez juste tes doigts. Ouais. Ouais, parce que j'ai plus de pouces là déjà. Et je tape, mais pour les faire mourir, putain, c'est. Alors, tu mettrais quelle petite note, Grégory? Sincèrement, je suis gentil. 11. Ah, 11 sur 20. Ouais, parce que les pavés là, le problème c'est que tu uses tes doigts. D'accord, Greg, je vais t'offrir des pansements si tu veux. Ah, c'est pour mettre autour des parce pouces. Parce que faut les tuer, putain. Bah, moi je vais y mettre quand même un 12 sur 20 à ce jeu. Pas mal.
Ouais, mais regardez, tu voudrais garder, chercher un poilu. Eh bien, pas mal, mais quelques petits défauts. Ouais, hein, je vais te tuer, hein. Bon, allez. Allez, sur ce, c'est qu'un avis, ça se pouvait peu que vous adorez ce jeu-là. Attention, il y a un oiseau qui va t'attaquer. Ou que vous détestiez. Ah, tu peux le manger. Non, je déconne. Allez, au revoir, cher internaute. Il y a des crocodiles. Ouais. Allez, nous, continuons à jouer. Parle un plus. Oh, je sais plus parler.